Aussi Dieu que tu sois,
aussi vieux que tu sois, Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu as l'éternité. La puissance éternelle. Où c'est ma maman? Le tout puissant. Où c'est ta Seigneur Jésus. Plein d'amour pour l'humanité. Tu as manifesté dans le jardin d'Éden. Mais l'homme t'a trahi. Seigneur, depuis tu n'as pas baissé les bras. Un amour si grand pour l'humanité. A demandé que Seigneur toi-même. Eh bien, on t'appelle. Que tu descends toi-même. Ben, on t'a demandé que tu sois le Dieu tout-puissant. Mais quand même, on s'en que tu sois le roi des rois. Et ce n'est pas Niemau, que tu sois le roi de gloire. Est-ce que Niemau, que tu as accepté l'humiliation. Oh non. Bon, tu as accepté les offenses. Oh non. Mais oh non, de fou. Tu es allé sous la croix. À cause de nous qui ne le méritons pas. Nous qui n'avons jamais mérité. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, tu as achevé l'œuvre sur la croix. Seigneur, tu vas aller t'asseoir tranquillement sur ton trône là-bas. Mais tu es encore derrière nous, Seigneur. Tu es encore derrière nous. Tu me rappelles les choses que tu as déjà dites dans ta parole. Seigneur, ce jour tu as encore choisi. Cette semaine, Seigneur, tu as proclamé un programme spécial pour ton peuple. Afin de nous enseigner davantage. Seigneur, sur la prière.
Seigneur, nous sommes au premier jour, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes capables de rien. Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Seigneur, je te prie, prends toi-même le micro, Seigneur. Seigneur, je ne peux pas me tenir devant ton peuple. Seigneur, je ne peux pas me tenir devant ton peuple. Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Quelqu'un qui ne sait pas prier. Amen. Quelqu'un à prendre une décision ferme ce soir. Et à honorer sur ta parole selon laquelle prier sans cesse. Seigneur Jésus, mon Dieu. Seigneur, le feu dévorant est déjà là. Seigneur Jésus, totalement le temple. Enveloppe le temple maintenant. Le feu dévorant enveloppe le temple maintenant. Tout esprit mandaté comme ça. Fais le tourment au nom de Jésus. Sois lié et chassé d'ici au nom de Jésus. Sois lié et chassé d'ici au nom de Jésus. Seigneur, prépare le cœur de ton peuple. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons Paul aussi de Dieu. Voici que la grâce. Il n'existe pas. Amen. Celui qui est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir répondu. D'avoir répondu à l'appel du Saint-Esprit. L'appel solennel que le Saint-Esprit a adressé à tout chacun de nous. Afin de nous enseigner de restaurer notre vie de prière. Vu le combat énorme qu'est le réveil. Oh, nous ne devons pas croiser les bras. Car c'est celui qui va persévérer qui sera sauvé. Et cette persévérance passe par la prière. Et le Seigneur a choisi cette semaine pour enseigner tout un chacun de nous. Et le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà le thème de ce programme. Tanyana Dodoaini Air. Qui va nous rappeler le thème de ce programme? Mais quel a donc Tanya Nami? Le thème de ce programme. Tanyana Dodoa. Le thème de ce programme. Oui. Seigneur, je veux prier. Éternel, je veux prier. Appelle-toi, mais dis-la donc, Éternel, je veux prier. Celui qui dit éternel, je veux crier, je veux prier. Amen, celui-là est en train de pousser un cri vers l'éternel. Amen, celui-là a pris une décision de prier. Celui-là a pris une décision d'honorer les commandements du Seigneur. Amen, il se fait qu'il ne peut le faire de lui-même. Jusqu'à ce qu'il crie et il dit éternel, je veux prier. C'est parce qu'il est contre des résistances. Des résistances aussi bien internes, c'est-à-dire qui concernent lui. Des résistances aussi externes. Et en poussant ce cri à l'éternel, c'est pour que l'éternel lui vienne au secours. Afin qu'il puisse prier. Donc, ces trois jours-ci,
Elle est que ton nous devons garder l'état d'esprit selon lequel nous devons crier au Seigneur Jésus. Et si même lui demander de l'aide à notre vie de prière. Toi qui as déjà perdu ta vie de prière, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne. C'est une opportunité que le Seigneur donne à tout un chacun de nous. Afin que nous puissions être au pas. Comme nous venons de le dit tout à l'heure, le réveil est un grand combat et le combat s'intensifie de jour en jour et ce sont les forts qui pourront continuer la marche. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les violents, et nous devons nous lever et nous armer pour le combat. Et c'est cette opportunité que le Seigneur nous donne. Nous devons saisir cette opportunité. Donc voilà le thème du programme. Et le premier jour, comme sous-thème, le sous-thème s'intitule Ambassadeur de Dieu par la prière. Ambassadeur de Dieu par la prière. Dis à ton bien-aimé, à ta bien-aimée, nous sommes les ambassadeurs de Dieu par la prière. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu par la prière. Bien aimé, tu es ambassadeur de Dieu par la prière. Tu es ambassadeur de Dieu, mais cela passe par la prière. Quand on dit ambassadeur, nous voyons tout simplement représentant. Celui qui défend les intérêts de quelqu'un ou d'une institution ou d'un pays à un autre endroit. C'est-à-dire celui qui l'a mandaté, celui qui représente. Amen. Elle est à un espace loin. Elle est tépé de là où lui il est. Et là où il est, il représente les intérêts de cette personne. Ou de ce pays. Ou de ce pays. Et en tant qu'ambassadeur, quand on le voit, on voit déjà celui qu'il représente. Et on lui doit tout l'honneur. L'honneur qu'on doit à celui qui le représente. C'est cela un ambassadeur. Et nous précisons qu'il ne cherche que les intérêts de celui qu'il représente. En quoi est-ce que toi et moi nous sommes ambassadeurs de Dieu? Nous allons comprendre cela un peu plus loin. Et comment est-ce que cela se fait par la prière? Nous allons comprendre cela un peu plus loin. Mais d'abord, nous allons nous intéresser au thème central. Que ce que c'est que la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? Nous allons aller très vite. Nous allons demander au lecteur d'aller très vite. Romains 10, verset 1er. Qu'est-ce que c'est que la prière? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui, allez-y. Romains 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Le verset premier seul, vous reprenez s'il vous plaît. Romains 10, verset 1er. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'il soit sauvé. Amen. Le vœu de mon cœur.
Quand il dit le vœu de mon cœur, il ne s'arrête pas là. Il continue, ma prière à Dieu. Quand le vœu reste à l'état de vœu, tout simplement, et que ce n'est pas formulé en termes de prière, ce n'est pas encore prière. Ce qu'on appelle prière, tout simplement, comme une définition courante, c'est le fait de formuler une demande. La prière, c'est le fait de formuler une demande à Dieu. C'est le fait d'exprimer son besoin à Dieu. Et dans une définition très étendue, large, c'est le fait de communiquer avec Dieu. C'est le fait d'échanger, de prendre contact avec Dieu. Je peux prendre contact tout simplement avec Dieu. Ne rien lui demander. Mais on peut déjà appeler ça prier. Gloire à Jésus. Donc c'est cela la prière. Quand j'ai mon vœu, j'ai mon souhait, j'ai un besoin, que le besoin reste à l'état de besoin, sans être exprimé à Dieu, ce n'est pas encore la prière. C'est quand cela est exprimé en tant que besoin à l'être suprême, le créateur de toutes choses, nous pouvons appeler ça prière. Et nous voyons déjà dès le commencement de la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden, nous allons voir ce qui s'est passé déjà là au début. Nous voyons que le Seigneur a créé deux êtres. D'abord Adam, et à partir de Adam a créé Ève. Et de temps en temps il vient les visiter. Et nous voyons que dans le récit, à aucun moment nous n'avons vu Adam en train de prier, en train de demander quoi que ce soit à Dieu. Parce que Dieu les visite constamment. Dieu les visite constamment. Ils sont pratiquement ensemble avec Dieu. Quand il s'est agi de prier, c'est dans la progression des choses. Après Adam, nous avons vu les deux enfants qui sont nés. Abel et Caïn. Et nous savons ce qui s'est passé où Caïn a tué Abel. Et à la suite de ça, nous avons vu Adam qui a mis au monde encore un autre fils. Du nom de Seth. Seth a eu un fils qui s'appelle Enoch. Et c'est à partir de là que l'humanité a commencé par invoquer l'Éternel. Nous allons voir ça dans Genèse 4, verset 26. Genèse 4, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils. Seth qui vit. Et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'homme a commencé, l'humanité a commencé à appeler Dieu, à prier Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'homme a été rejeté du jardin d'Éden, quand l'homme a chuté dans le péché, il y a eu séparation spirituelle entre lui et Dieu. On appelle ça la mort spirituelle. Et l'homme n'est plus en contact avec Dieu. L'homme a perdu tout contact avec Dieu. Et à partir de là, Dieu est distant de l'homme. C'est en cela qu'il a fallu que maintenant que l'homme prie.
Que l'homme l'appelle, que l'homme l'invoque. Pour demander de l'aide. Pour demander assistance. Dans ceci, dans cela. Et par rapport à la prière, et quand nous voyons déjà dès le commencement, la première personne à prier en dehors de l'homme, c'est Dieu lui-même. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir ça ensemble. Toujours dans le livre de Genèse. Les mots c'est pas Genèse 1er. Genèse 1er, verset 3. Genèse 1er, verset 3. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes ambassadeurs de Dieu par la prière. Genèse 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand le Seigneur Jésus dit, ce qu'il a dit, il a exprimé une demande. Et cela s'est réalisé. Mais tu vas te dire maintenant, il a prié qui ? Nous allons voir dans la progression, dans l'enseignement, que en réalité, l'unique personne qu'on prie, que c'est Dieu lui-même. Maintenant, voilà que les filles, Dieu lui-même veut exprimer une demande. Il exprime un souhait. Au début de toute chose, où il a commencé par créer, il a exprimé une demande. Et comme cette demande est envoyée vers lui-même, qui est l'esprit de Dieu, il ne peut pas dire je demande à moi-même. De cette même manière, quand Dieu veut jurer, et quand il s'agit de jurer, nous allons pouvoir ça dans Hébreux 6, verset 13. Hébreux 6, verset 13. Quand il va s'agir de jurer par lui-même, oui. Hébreux 6, verset 13. Hébreux 6, verset 13. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, et c'est Maudon ben Abraham. Ne pouvons jurer par un plus grand que lui. Ne pourrons jurer par un plus grand que lui. Et c'est ma tête à main. Amen. Quand on veut prêter serment, on veut jurer. On veut prêter serment. On veut promettre quelque chose et qu'on veut montrer sa sincérité. On demande le témoignage de quelqu'un qui est plus grand que soi. Et voici Dieu qui veut mettre au témoin quelqu'un qui est plus grand que lui. Mais comme quelqu'un qui est plus grand que lui, il n'en existe pas. Donc c'est pour ça qu'il a dit oui, vous reprenez. Quand il fit la promesse à Abraham. Oui. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Et quand ne peut pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc ce n'est pas la première fois. Ici, dans Genèse 1, verset 3, il a fait une prière pour pouvoir créer les choses. Nous allons voir pourquoi est-ce que nous appelons ça prière. Nous voyons que déjà au commencement il a dit que verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'Esprit de Dieu là. Et de verset 3, Dieu dit
que la lumière soit. En disant que la lumière soit, Dieu a utilisé la parole. Et la parole, c'est le Fils. Donc l'Esprit de Dieu était présent. Et il y a le Fils aussi présent. Et il y avait maintenant Dieu lui-même aussi présent. Et c'est lui qui a formulé la parole. Les trois présents ont créé. Et ce n'est pas trois personnes différentes. Non. C'est toujours la même personne. Mais ces trois réunis, donnons la prière. Nous allons voir, le Seigneur va nous développer par dans la suite. Donc nous voyons déjà au prime abord, Dieu qui a prié. Et pour prier toutes choses. Donc nous voyons déjà comment la prière, déjà comment la formulation d'une prière. Elle est à l'origine de toutes choses. Elle est à l'origine de la création. Et les choses évoluant, nous étions au niveau de Genèse 4, verset 26. Le fils de Seth. Et donc Seth Bévi a invoqué l'Éternel. Et à partir de là, l'humanité a commencé par prier Dieu. Maintenant, nous allons nous demander pourquoi c'est si nécessaire de prier. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très important dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 7 à 8. Matthieu 6, verset 7 à 8. Matthieu, tu as dit que André Pléguil. Gloire à Jésus, bienvenue, tu es là. Nous sommes en train de démarrer, nous n'avons pas encore décollé. Matthieu 6, verset 7 à 8. Matthieu, tu as dit que André Pléguil. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de belles paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Amen. 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 Le Seigneur dit quelque chose de vraiment de très spécial, qui semble très bizarre. Il a dit qu'avant que nous le demandions, que Dieu sait déjà ce que nous voulons demander. Et pourquoi, si Dieu sait ce que nous voulons demander, pourquoi toi et moi nous allons encore lui demander? Bien-aimé, pourquoi nous allons encore lui demander? Voici notre Père qui sait nos besoins, qui connaît nos besoins. Et qui, même avant qu'on ouvre la bouche, il sait déjà ce qu'on veut demander. Il connaît nos besoins. Maintenant, pourquoi demander encore? Pourquoi ils sont dans notre vie et ils voient qu'il y a tel besoin dans notre vie? Pourquoi il ne dit pas les enfants, restez tranquilles? Je connais tous vos besoins. De temps en temps, je vais tout faire. Non, on ne prie pas à nous, mais bien-aimé, c'est plusieurs fois que tu as lu ce verset. Plusieurs fois tu as entendu cela. Est-ce que tu t'es posé la question une fois? Mais pourquoi on m'a dit que le Père sait déjà ce que je veux demander? Et on me dit encore de prier. Pourquoi? Bien aimé, pourquoi? Ça me dit qu'il y a quelque chose là. Ça me dit qu'il y a quelque chose là. Ça me dit que c'est si important, c'est si nécessaire, vital, indispensable que j'ouvre ma bouche. Quand bien même il connaît mon cœur, il sait tout ce qu'il y a là. Je dois ouvrir ma bouche et parler. Mais de là pour nous. Pourquoi c'est si important que ça? Pourquoi c'est si vital que je dois ouvrir ma bouche? Nous allons voir ça un peu plus loin. Nous sommes ambassadeurs de Dieu par la prière. Mais ambassadeurs que nous sommes, nous allons l'expliquer tout simplement.
Dans le jardin d'Éden, nous allons voir Genèse 1, verset 27, 28. Dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur Dieu a fini de créer les deux êtres, il a confié toutes choses. Oui. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la assujettissez. Et assujettissez cette terre-là. C'est-à-dire dominez-la. Et dominez. Exercez votre autorité. Oui. Et dominer sur les poissons de la mer. Et dominer sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Et bien avant, et bien après cela, Genèse 2, verset 15, il a dit de cultiver et de garder le jardin, n'est-ce pas? Oh mais non, cultiver et garder. Il a confié la gérance du jardin. Alors, et dans Genèse 1, verset 27, 28 qu'on vient de lire, il a donné l'autorité à l'homme. Il a donné l'autorité à l'homme de dominer toutes choses. Exercer son autorité sur toutes choses. Donc, il lui confie toutes choses. Il ne dit pas, je garde tous les pouvoirs encore avec moi, il n'a pas dit ça. Mais nous voyons qu'il a délégué ses pouvoirs à l'homme. Mais pour pouvoir agir comme Dieu sur la création. Dieu petit D, bien sûr. Et un peu plus loin dans Somme 8, nous avons Somme 8, verset 4 à 10, nous avons vu comment Dieu a mis sous les pieds de l'homme toutes choses. Toute la création sous les pieds de l'homme. Mais cette fonction d'ambassadeur, cette autorité que Dieu a confiée à l'homme, avec la chute de l'homme dans le péché, l'homme a perdu cela. L'homme a perdu cela. Gloire à Jésus. Et au lieu d'être constructeur, au lieu d'être développeur, d'être celui qui cultive, l'homme est devenu destructeur par la folie du péché. Et nous avons vu dans Genèse 6, verset 5 à 7, comment Dieu a décidé maintenant d'envoyer le déluge sur la terre. Avec cette génération d'hommes destructeurs. Et nous savons la suite. Mais ce pouvoir que l'homme a perdu, Dieu lui-même est descendu en tant que fils de Dieu. Et après l'œuvre de la croix, a redonné ce pouvoir à l'homme. Et à partir de là, tout enfant de Dieu a le même pouvoir que Adam avait. Et donc c'est le ciel de la chair. Et qu'il avait perdu dans le jardin. Gloire à Jésus. C'est en cela que toi et moi, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Et cette fonction d'ambassadeur qui est de gérer toutes choses sur la terre, qui est de faire l'œuvre de Dieu avec Dieu, faire l'œuvre de Dieu avec Dieu, qui est d'amener toute âme à Dieu. Cette fonction, nous pouvons faire cette fonction que par la prière. Nous ne pouvons pas fonctionner sans communiquer avec Dieu, avec celui-là que nous représentons. Nous ne pouvons pas fonctionner sans lui adresser des requêtes.
et qu'en retour, il nous aide à continuer à œuvrer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez? Suivez très bien le film. Nous venons de voir. Nous venons de voir l'origine de la prière. Et nous venons de voir en quoi est-ce que toi et moi nous sommes ambassadeurs. Nous venons de voir qu'à l'origine Adam et Ève étaient ambassadeurs. Mais ils ont perdu ce titre. Mais le Seigneur Jésus, dans sa grâce, a redonné cela à tout être humain qui croit en lui, en l'homme qu'il a accompli sur la croix. C'est en cela que nous sommes ambassadeurs. Et c'est la fonction d'ambassadeur que nous avons. Cette fonction ne peut pas être faite sans communiquer avec celui-là que nous représentons. Sans lui adresser les requêtes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais nous voyons déjà que Dieu, cette fonction d'ambassadeur qu'il a donné, qu'il a remis à l'homme déjà depuis le jardin d'Éden, dans cette fonction d'ambassadeur, il a posé des limites. Il a dit à l'homme, voilà, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire ceci. Tu ne dois pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'exercice de cette fonction d'ambassadeur doit être fait dans la volonté de Dieu. Et cela n'a pas changé. Oui, Dieu qui est l'ancien des jours, aussi vieux qu'il est, il n'a pas changé. Gloire à Jésus. Allez. Nous venons de le chanter tout à l'heure. Il n'a pas changé tel qu'il est de tel le commencement avec l'homme. Il n'a pas changé. 1 Chronique 17, verset 25. Chronique à Tobac, Balekban et 1 Chronique 17, verset 25. Oui, à Drepipi. Vous allez préparer aussi 1 Jean 5, verset 14. Et Johannes, Balekban et Tobipi. Nous sommes ambassadeurs de Dieu par la prière. Gloire à Jésus. Oui, 1 Chronique 17, verset 25. Chronique à Balekban et à Blavevon à André Pipi. 1 Chronique 17. Verset 25. Car toi-même, ô Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il a dit que Dieu lui a révélé qui va lui bâtir une maison. Mais elle a chaud. Donc, en révélant ce que Dieu lui a révélé tout simplement, c'est sa volonté. Dieu lui a révélé sa volonté. Dieu lui a montré, voilà, je veux telle chose. Mais Gina, et c'est pour ça qu'il s'est mis à prier. Et il a dit, c'est pour ça que j'ai osé. J'ai osé me mettre devant toi pour prier. Donc sans cette volonté de Dieu, sans avoir connu la volonté de Dieu, l'ambassadeur sans avoir connu la vision de celui qu'il représente dans un pays, il ne peut rien faire parce qu'il ne va pas faire les choses de lui-même. Il n'est pas là pour faire sa volonté, mais il est là pour faire la volonté de son représentant. C'est en cela que le roi a dit ici, tu m'as révélé qu'on doit te bâtir une maison. C'est pour ça que j'ai osé, il a bien dit j'ai osé me présenter devant toi pour prier par rapport à ça. Donc en tant qu'ambassadeur, la fonction d'ambassadeur ne peut être exercée
que dans la volonté de celui que nous représentons. Le Seigneur est en train de nous expliquer déjà un peu ce que c'est que la prière. C'est en tant qu'ambassadeur, avant de faire quoi que ce soit, avant de fonctionner, je dois tenir compte de la volonté de celui que je représente. Nous avons vu que Adam et Ève, la première fois qu'ils ont ignoré la volonté de celui qu'ils représentent, c'est pas ils ont perdu. Ils ont été chassés du jardin. Donc la fonction d'ambassadeur doit être faite dans la volonté de celui qu'on représente. Nous voyons même les gens du monde observent cela. Quand il y a un ambassadeur d'un pays qui est envoyé dans un autre pays, et qu'il se met à faire autre chose. Il se met à faire les choses que lui-même veut. Les choses ne prennent pas en ligne de compte de la vision du pays qu'il a envoyé. Et nous n'aimons son appelé de quoi avec on voit le pays le rappeler. On lui dit, bien aimé. On lui dit, monsieur, c'est pas pour ça que nous t'avons envoyé dans ce pays. Reviens vite à la maison. Même les gens du monde observent cela. Donc en tant qu'ambassadeur, ça doit être fait dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que cela s'exerce. 1 Jean 5:14. Gloire à Jésus. Oui, 1 Jean 5:14. Johannes est à Bambi. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 5:14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Comment le roi qui a dit tout à l'heure, c'est parce que ta volonté m'a révélé que j'ai osé. Donc il a eu l'assurance de se présenter. Que si nous demandons quelque chose. Que si nous demandons quelque chose. Selon sa volonté. Il nous écoute. Gloire à Jésus. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Et là, si l'ambassadeur fonctionne selon la volonté de celui qu'il représente. Alors celui qu'il représente va l'accompagner. Amen. Va l'appuyer, va le soutenir dans cette fonction. Donc nous voyons que il y a la volonté de celui qu'on représente. Amen. S'impose. Pourquoi dans ce cas d'espèce, pourquoi la volonté de Dieu s'impose? Gloire à Jésus. Pourquoi la volonté de Dieu s'impose? Psaume 67:29. Pourquoi la volonté de Dieu s'impose? Blaché qui va. Nous allons comprendre cela. Et dans le même temps que nous comprenons cela, nous sommes déjà en train de comprendre en quoi est-ce que le pourquoi de la prière, en quoi est-ce que la prière est si importante, où Dieu dit, je sais déjà ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous voulez me demander. Mais pourquoi je dois demander? Le Seigneur est en train de répondre déjà à cette question tout doucement. Psaume 116, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Psaume 116, verset 9. Du haut des cieux, les Jipoa, tu as proclamé la sentence. Oui. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Ça commence par venir. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. Du haut des cieux, Dieu a proclamé la sentence. Dieu a proclamé le jugement. Dieu a rendu son verdict, comme on le dit. Dieu a donné sa décision. Et la terre tremble. Ça veut dire que les cieux s'imposent à la terre. Ça veut dire que la terre est sous le contrôle des cieux. C'est pour ça que la terre, avant de fonctionner, l'ambassadeur qui est sur la terre, avant de fonctionner, ça doit être fait dans la volonté
du Père. Nous parlons disons du Père, nous parlons de l'éternité, les cieux. C'est-à-dire de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous employons ce terme, nous allons voir un peu plus loin. Parce que nous allons arriver à un niveau où ça va créer la confusion au niveau de quelques hommes. Le Seigneur va nous aider. Acclamez le Seigneur. Donc depuis l'éternité, la terre est sous contrôle. Dieu proclame la sentence. C'est-à-dire Dieu fait sortir une décision. On dit telle chose, ça doit être comme ça. La terre se soumet, la terre tremble. Et c'est pourquoi Dieu a donné un mandat à l'ambassadeur en Christ. L'ambassadeur en Christ que nous sommes. Et nous allons voir quelque chose qui s'est passé dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. La suprématie des cieux sur la terre. Les cieux s'imposent à la terre. Gloire à Jésus. Ça veut dire que si quelque chose doit se passer sur la terre, Dieu est au courant, Dieu est d'accord. Même si ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il a souhaité, mais il est d'accord. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous pouvons aller en profondeur, mais ce n'est pas l'objet de cet enseignement. Matthieu 16, verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur demande aux disciples. Voilà pour les autres qui je suis. Et il a commencé par dire, tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Il a dit maintenant pour vous, je suis qui. Et c'est là Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Et il a dit, voilà ce que tu viens de dire, c'est pas venu de toi, mais c'est venu de mon Père. Et il a ajouté, il a dit, sur cette pierre. C'est-à-dire, sur ce fondement, sur cette déclaration. La déclaration que Pierre vient de faire, sur cette déclaration, sur cette pierre, sur ce fondement, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Oui, c'est après ça qu'il a dit oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Sera lié dans les cieux. Le Seigneur a dit à Pierre, je vais te donner les clés des cieux. Et tout ce que tu vas lier sur la terre, il va te lier aux cieux. Pourquoi le Seigneur a dit que ce qu'il va lier sur la terre va être lié aux cieux? Pourquoi c'est si important que ça doit être lié aux cieux? C'est-à-dire toute décision, tout besoin que Pierre va formuler, ça va être accordé aussi dans les cieux. Et il a repris la même chose dans Matthieu 18. Et cette fois-ci, ce n'est pas à Pierre seulement il a dit. Il a dit à tous les disciples. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous aurez, tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et là, on va parler les chipots. Et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je veux que tu vois ceci. Voilà l'ambassadeur à qui on a conféré des pouvoirs.
pour représenter le pays ou pour représenter quelqu'un, pour représenter ici dans le cadre d'espèce Dieu. Mais chaque chose qu'il décide, il faut, Dieu ne va pas dire, bon voilà, je vais examiner d'abord. Et je vais rejeter ou je vais accepter ou rejeter. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit ce que toi en tant qu'ambassadeur, la terre cela va être lié au ciel. Ça veut dire que toute décision qui va être prise sur la terre va être tenue compte dans les cieux. Est-ce que tu vois déjà quelque chose? Toute décision qui va être prise sur la terre. Pas cette personne spéciale, ce n'est pas n'importe qui. Pas les disciples, en tant que disciples, oui. Le Seigneur donne la clé du royaume. Et quand quelque chose va être lié, va être décidé sur la terre, le ciel va prendre ça en compte. Voilà, nous voulons décider de quelque chose sur la terre. Par exemple, nous décidons ou nous voulons, nous prions, nous voulons que notre frère croit en Jésus et qu'il en soit sauvé. Bon, nous décidons, nous prions, nous voulons cela. Pourquoi ça ne peut pas s'arrêter sur la terre et c'est fini? Et un beau jour, nous allons voir notre frère être sauvé. Mais Dieu dit, si vous décidez là, il faut que depuis là-bas, ça doit être pris en compte. Mais vous, comme vous êtes les ambassadeurs, je vous donne la clé du royaume. Et quand vous allez décider, moi-même je décide là-bas. Acclame pour le Seigneur Jésus. Quand vous allez décider, sachez que c'est déjà ma décision aussi là-bas. Mais il n'en demeure pas moins que c'est-à-dire ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, si vous décidez, ce n'est pas exclu que ça doit venir là-bas d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. Ça doit venir là-bas d'abord. Ça doit venir là-bas d'abord, ça doit me parvenir. Et je vais apporter mon cachet. Mais sachez que je vous donne l'assurance. Comme Jean 5, 14 a dit, nous avons l'assurance devant lui que nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc quand le Seigneur dit qu'il donne la clé du royaume, il n'accorde pas la clé du royaume à n'importe qui. Il faut que cette personne soit dans sa volonté. Et quand cette personne va décider quelque chose sur la terre, il prend ça en compte. Mais ça doit venir nécessairement là-bas. D'accord. Est-ce que tu vois, bien-aimé? Est-ce que tu vois, bien-aimé? Donc la question, pourquoi demander? La réponse est déjà là. Dieu a dit, mais je connais vos besoins. Avant même que vous n'ouvrez la bouche, je sais. Mais vous devez prier. Pourquoi? Parce que ça doit venir là-bas chez nous. Pourquoi cela? Gloire à Jésus. Pourquoi cela? Nous avons vu dans le psaume 76. Que c'est depuis les cieux que la sentence descend. C'est depuis les cieux, que le cachet vient. C'est depuis les cieux que le cachet vient. Donc je dois savoir que quand j'ai quelque chose à demander,
que cela doit être accordé depuis les cieux. Sinon, je ne peux pas l'obtenir. Je ne peux jamais l'obtenir. Mais Dieu a donné un mandat spécial à ses ambassadeurs qui sont dans sa volonté. Que toutes choses qui vont décider sur la terre, cela doit être décidé aussi aux cieux. Et l'objet de notre de cet enseignement ce soir, c'est de nous faire voir le pourquoi de la prière. L'importance de la prière. En quoi est-ce que la prière est vitale dans la vie de l'enfant de Dieu? En quoi est-ce que la prière est nécessaire, indispensable, incontournable? Dans la vie de l'ambassadeur de Christ, les Christ au TP n'ont pas demain. Le Seigneur, oui, dans sa parole, a expliqué tout cela en quelques mots. Le mécanisme de la prière. Et le mécanisme a été exposé dans le livre de Osée. Osée 2, verset 23. Bien aimé, je prie que après cet enseignement, que tu prennes de résolution ferme. Désormais, de t'avoir une vie de prière. Que tu vois en quoi est-ce que la prière, elle est vitale, c'est comme ta respiration. Si tu ne pries pas, un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui se prépare pour la mort spirituelle. Malgré toutes les promesses que Dieu a faites, si tu ne pries pas, tu peux avoir les promesses dans les plus grandes prophéties. Si tu ne pries pas, Osée 2, verset 23. Lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Osée 2, verset 23. Amen. En ce jour, c'est l'Éternel lui-même qui parle. En ce jour, j'exaucerai les cieux. Vous allez lire ça tranquillement, tout doucement. J'exaucerai les cieux. Nous avons vu que pour que la prière, pour que la demande soit concrétisé, pour que la requête soit concrétisée, il doit avoir les ossements. Les ossements, c'est ça que le Seigneur a dit en disant dans Matthieu 18 et dans Matthieu 16-19. Ce que tu vas lier sur la terre, sera lié aux cieux. Lié aux cieux, c'est les ossements. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié aux cieux. Quand tu vas délier sur la terre, c'est la prière que tu formules. Maintenant, quand le Seigneur va délier comme toi aussi dans les cieux, il apporte les ossements. Et nous voyons ici, le Seigneur dit, en ce jour, j'exaucerai les cieux. C'est-à-dire qu'entre temps, les cieux lui ont dit quelque chose, n'est-ce pas? Les cieux ont formulé une prière. Les cieux ont formulé une autre demande. Et il a dit et qu'il va exaucer. Mais cela n'est pas parti de là. La demande était partie de quelque part. Nous continuons. Oui. En ce jour-là, oui, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. J'exaucerai les cieux. Et ils exauceront la terre. Nous allons représenter ça. Nous allons schématiser ça.
Nous appelons ça tout simplement le mécanisme de la prière. Le mécanisme de la prière. Gloire à Jésus. Le mécanisme de la prière. Et c'est osé que elle est osé à ta événement. Verset 23. Pipi. Blave votre. Oui, vous reprenez s'il vous plaît. Osé 2, verset 23. Oui. En ce jour-là. Oui. J'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai, dit l'Éternel. Ici, nous marquons l'Éternel. Et puis, l'Éternel. Oui. J'exaucerai les cieux. Les cieux. Nous allons représenter les cieux. Les cieux. Dipo Ntome. Les cieux. Dipo Ntome. Oui. Et exaucé. Oui, exaucé. Nous allons prendre un autre marqueur d'une autre couleur pour montrer l'exaucement. Exaucé. C'est-à-dire ça va quitter de l'éternel. Tonodoa. Néola Sebe Totora. Et là, tu m'avons là-bas. L'exaucement, c'est-à-dire la réponse. Oui. Donc, il a son maman avant. La validation, l'approbation, les ossements, c'est la même chose. Tonono. Et ils exauceront la terre. Et les cieux exauceront la terre. Donc nous allons représenter la terre. Nous allons représenter la terre quelque part ici. L'éternel est en haut. Les cieux c'est en haut, la terre c'est en bas. Oui, et ils exauceront la terre. La terre, voilà. Nous représentons toujours les ossements comme ça. Et ils exauceront la terre. Et la toto. Oui, ils exauceront la terre. Et la toto. La terre exaucera le blé. Et la terre va exaucer le blé. Anibala doto. La terre va. Et donc ça veut dire que quand on dit blé, c'est des plantes, c'est des plantations, c'est des cultures. Ici, dans notre réalité, ici, on peut dire maïs. Donc, une culture que vous pouvez comprendre facilement. Oui, continue. Le mout et l'huile. Donc, c'est, disons, c'est une plante que nous allons représenter. Le blé. Le blé. Et il y a autre chose, il y a le mout. Le mout. Nous, nous pouvons dire maïs. Nous pouvons dire le maïs, par exemple. Oui. Et l'huile. Et l'huile, oui, continue. Et ils exauceront Israël. Et ces plantes, ces cultures, à leur tour, d'abord, je n'ai pas encore représenté la terre qui va exaucer, exaucer le blé, le maïs et tout ce que vous pouvez citer. Donc tout ce que tu as mangé là, tu peux citer. Et nous, on a été à Glova. Donc la terre à son tour Aniba, va exaucer. Et la doto va exaucer ses plantations. Et la doto à Glenoukouo. Ici c'est exaucement. Tororo. Mais exaucer tout simplement. Oui. Et eux à son tour. Ils exauceront Israël. Voilà. Israël, c'est un être humain. Israël a un être humain. On va mettre ça quelque part ici. On va mettre homme. Et y a là nous parler au langue de agbeto qu'on vient. On met homme. Agbeto. Voilà. Et eux ils vont exaucer l'homme, n'est-ce pas? Ouais, est-ce que bien aimé vous suivez? Des milliers promis. Ils vont exaucer l'homme. Vous allez bien comprendre. Eux, à leur tour, vont exaucer
L'homme a glen quoi? Gloire à Jésus. L'aime bien la toto. Nous reprenons encore. Après-toi. La tu. N'y a pas trop à qui. Verset 23. En ce jour-là. En ce jour. L'inquiète magia. J'exaucerai. Dit l'Éternel. J'exaucerai, dit l'Éternel. Ma toto, ma weapon. J'exaucerai les cieux. L'Éternel va exaucer les cieux. C'est-à-dire l'Éternel va répondre oui. C'est bon. Je suis d'accord. Aux cieux, oui. Et ils exauceront la terre. Et les cieux à leur tour vont dire oui. C'est bon. Nous sommes d'accord à la terre. La terre exaucera le blé. La terre va exaucer maintenant la culture, le blé, le maïs, Et ils exauceront Israël. Et ils vont exaucer maintenant l'homme. Gloire à Jésus. Entre-temps, avant qu'on ne parle d'exaucement, c'est parce qu'il y a eu bien avant, il y a eu une prière que le Seigneur vous bénisse. Et l'Éternel est en train de promettre qu'il va exaucer. Et sa sagesse infinie, il a montré le mécanisme. Nous allons mieux comprendre maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a une prière, qui peut prier? Qui peut prier? C'est le maïs qui a prié, ou le blé, ou la terre. Voilà, c'est l'homme qui a prié. L'homme a prié. L'homme a prié. Maintenant, l'homme a prié qui? L'homme a prié le maïs, a prié la terre. Et un ambassadeur. Ambassadeur. De Dieu. Ambassadeur de Dieu. En tant qu'ambassadeur de Dieu, il va prier qui? L'Éternel. Si jamais il est quoi? Si jamais il prie, il est quoi? Si jamais il prie les cieux, il est un idolâtre. Le seul à qui on doit prier, c'est l'Éternel. Donc il y a une nation qui a été faite. Depuis la terre, parce que l'homme est sur la terre, n'est-ce pas? Vers l'Éternel. Voilà. Donc nous allons appeler ça prière. Il y a prier. Voilà, prière. En tant qu'ambassadeur, l'ambassadeur formule une demande. Vers celui qui représente qui est l'Éternel. Et l'Éternel reçoit. Selon Matthieu 16, 19, Matthieu 18, 18, qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui l'a prié, c'est-à-dire quand il a lié ou il a délié, qu'est-ce que le Seigneur a promis ici? Qu'il va exaucer, c'est-à-dire si lui lit ici, lui aussi va lier là-bas. Si il délie ici, lui aussi va délier là-bas. Donc, en déliant, ce que l'homme a délié ou en liant ce que l'homme a lié, dans ce cas d'espèce, c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme a fait ici? L'homme a demandé la nourriture, l'homme a fait des démarches pour pouvoir trouver à manger.
Nous pouvons dire aussi que l'homme a planté dans un champ. Maintenant, voilà que l'homme n'est pas au contrôle de la terre, il n'est pas au contrôle, il ne maîtrise rien de cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander maintenant au Dieu Tout-Puissant que lui, il est quoi? Il est le blé, le maïs, qu'il est le manger. Il est bien. Donc nous prenons ça comme ça. Il est le manger. Et quand il a formulé la prière, c'est là l'Éternel, selon Matthieu 16, 19, Matthieu 18, les Matthieu t'a oui à décrit puis oui à chaque il est alors Matthieu il est le manger aussi. L'Éternel va les ausser. Maintenant, quand l'Éternel les ausse, ça prend un cheminement donné. Ça va descendre depuis l'Éternel, le trône de Dieu. Et là, tu m'as fait là traverser les cieux. Et là, va toi, tu peux nous tourner. Et quelque part là, il y a quelque chose qui se passe. Et le TPMAN, les gens. Et les ennemis sont quelque part là. Nous allons représenter pour pouvoir élargir l'enseignement. Disons quelque part ici. Quelque part ici. Les ennemis. Et quand nous voyons, nous sommes là, nous rappelons de quelque chose qui s'est passé dans le livre de Daniel. Daniel a prié. Et il attendait les ossements. Les ossements ne venaient pas, jusqu'à 3 semaines. Et à un moment donné, l'ange est descendu. Et a dit, voilà, Daniel, depuis que tu m'as entendu, la réponse est déjà descendue de cette réponse a été bloquée quelque part. Gloire à Jésus. Est-ce que tu suis? Le Seigneur veut que nous précisions à ce niveau. Que tu puisses voir que tu dois persévérer dans la prière. Tu peux prier, le Seigneur va. Tu auras déjà exaucé depuis. On a dit que la paix dans l'auto. Mais que tu n'as pas encore l'accomplissement. Et il faut que tu pries. Il faut que tu persévères. Comme le Seigneur l'a dit concernant le juge unique. Il faut persévérer dans la prière. Donc quelque part ici, ça va traverser. Si par la grâce ça descend, alors les ossements viennent et maintenant les cieux exaucent, alors tout exauce la terre. Dieu exauce les cieux. Les cieux exaucent la terre. Et la terre à son tour. Voilà, oui, parce que la plantation de blé. Le maïs là, ça va être semé dans l'air. Non, la terre. Voilà. Donc la terre doit dire oui. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a dit que la terre exaucera. La terre va dire oui. Au blé et au maïs et ainsi de suite. Et à leur tour, vont germer, vont devenir une réalité, une nourriture, afin que l'homme mange. Voilà le mécanisme de la prière. Voilà le mécanisme de toute prière. Nous avons vu que les cieux ont leur suprématie sur la terre. Et toute chose qui va être faite ici, il faut que ça soit approuvé d'abord ici, la validation, les ossements. C'est pour ça que tu peux avoir les choses dans ton cœur. Verset 1er, l'apôtre Paul a dit, le vœu de mon cœur. Apôtre Paul, il a le vœu dans son cœur. Il a le vœu dans son cœur, mais il ne sait pas qu'il y a là.
Tu veux que ce vœu soit réalité. Donc quand la demande est là, quand le besoin est là, il est vrai que l'Éternel a bien vu. L'Éternel a bien vu que l'homme a besoin de ceci, de cela. L'Éternel a bien vu que son ambassadeur a besoin de ceci, de cela. Mais il dit à l'ambassadeur, il doit formuler. Il doit formuler la demande. Et de là bien. Et cette demande va suivre un processus. Et va bien. Ce cas, comme ça, rapport à la nourriture, tout ça, c'est quoi, on a parlé de terre. Et ce cas, si c'est autre chose, là, alors ça va prendre ce circuit-là. Ça dépend de la demande que tu as formulée. Donc voilà comment ça se passe. Et quand c'est comme ça, bien aimé, est-ce que toi qui es enfant de Dieu, ambassadeur de Dieu, est-ce que tu vas rester là à croiser les bras et à dire que Dieu a déjà tout fait, toutes choses? Non, que non, Dieu est avec nous. Non, je n'ai pas besoin trop de prier, je n'ai pas besoin. Dieu m'a promis telle chose, Est-ce que tu vas dire cela? Bien-aimé, est-ce que tu vas dire cela? C'est l'Éternel qui exauce d'abord. C'est l'Éternel qui exauce. L'Éternel va exaucer d'abord. Tu peux avoir ça dans ton cœur comme tu veux. L'Éternel va exaucer d'abord. Maintenant, nous allons en venir à notre test de base de ce programme. Nous allons en survoler ça rapidement. 2 Rois 4:29 à 37. Et c'est le premier et Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Deux rois quatre, vingt-neuf. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terre, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra. Il ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa.
Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosternant contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je sais que bon nombre parmi vous connaissent très bien de ce qui s'est passé ici et on vient de lire. Et nous la tsunami a perdu son enfant. Et quand son mari lui a demandé qu'est-ce qui se passe, elle a dit tout va bien. Le tout va bien, c'est le tout va bien de la foi. Quand elle a dit tout va bien, elle ne mentait pas. C'est pas qu'elle mentait à son mari, non, elle ne mentait pas. Elle voit déjà que ça ne peut pas se passer comme ça. Non, son enfant ne peut pas mourir. En tant qu'ambassadeur, ambassadeur de Dieu, ambassadeur de Dieu, ambassadeur de Dieu, tu dois avoir la fermeté en toute situation. Tu dois toujours avoir la foi ferme sur celui que tu représentes sur la terre, quelle que soit la situation. Et nous avons vu que dans l'évolution des événements, quand elle a dit ça, elle allait voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Et c'est pour Élisée. Pourtant, c'était Élisée qui avait prié pour elle et elle a eu l'enfant, tout ça. Élisée, que tu as dit, et quand le prophète s'est rendu compte que c'est l'enfant qui est décédé, qui est mort, et si il a glorifié là, il dit à son serviteur, tiens mon bâton. Et viens, ta amie, ta mère, et tout, vas-y, va dans la maison. Et viens, quoi, ne salue personne, ne réponds rien à personne. Mais bâton, vous n'avez que le moindre. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ne rien dire, ne répondre à personne, ne salue personne? C'est un principe que Élisée a appliqué. Et le Seigneur a repris ça dans Luc 10, verset 4, je crois. Oui. Quand le Seigneur a envoyé les disciples évangéliser, il leur a dit de ne saluer personne et de ne répondre à personne qui les salue. Pourquoi? Parce que c'est pour avoir l'esprit fixé sur l'objectif. C'est pour avoir l'esprit fixé sur l'objectif. Concentré. Le Seigneur montre déjà comme ça comment une vie de prière doit être. Et il est parti. Le bâton qu'il lui a remis, en réalité, c'est la parole. C'est l'épée de l'esprit. Le même bâton a été utilisé par Moïse devant la mer Rouge. Et le Seigneur nous a révélé ici, dans l'autre programme passé, que c'est la parole, c'est l'épée. Donc quand le serviteur est arrivé, venu là, et il met le bâton dans le visage de l'enfant, négligemment. Et il voit que rien a bougé et il retourne. Qu'est-ce qui lui manque? La foi. La foi, José. La foi, José. Tu dois prier avec foi. Et quand il s'est retourné, il a osé même venir dire. Il a osé même venir dire que non. Lui, il n'a pas la foi. Et à son tour, il veut tuer la foi de l'autre. C'est comme Élie qui est en train de prier pour que la pluie tombe.
Élie aussi a utilisé le même principe. Élie, nous n'avons pas le temps de développer ça. Si vous lisez, vous allez voir. Et on va 18. On va 18. Et Élie priait pour que la pluie tombe. Et la parole nous a dit que Élie avait la tête entre les jambes. Pourquoi Élie a fait ça? C'est pour être concentré. Si Élie est en train de prier, tout en regardant les nuages comme ça, il sait comme ça. Et il voit que ben, il prie depuis. Élie a fait l'effort de ne pas regarder le ciel. Élie a un moment donné pour s'assurer que tout va bien. Il envoie son serviteur et dit va voir au ciel si quelque chose se passe. Lui revient et dit non, rien. Comme le serviteur aussi. Le serviteur se disait aussi bien. Il revient et dit non, l'enfant n'a pas bougé. Et bien, on devient me fort. Il revient avec le bâton. Et va papa. Et il dit l'enfant n'a pas bougé. Et bien, on devient me fort. Et Élisée dit, toi là. Élie savait où il y a. Il le laisse. Et d'assinéti. Et il rentre dans la maison. Et toi, nous, après. Voilà, il prie pour l'enfant. Élisée est rempli de la puissance de résurrection du Saint-Esprit. Élisée, et toi, papa, amen. S'étend sur l'enfant. Pour pouvoir communiquer à son corps, à son âme, la puissance de la résurrection. Et là, la Bible a précisé sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, pour lui communiquer à son corps entier cette puissance de résurrection. Et à un moment donné, et ça ne marchait pas. Et Élie s'est retiré. Et tourne un peu dans la maison. Et trouver la perle. Pendant qu'il tourne dans la maison, et si tu trompes la perle, tu peux déjà imaginer ce que Élie est en train de faire. Et il revient. Le fait de revenir, ça veut dire que Élie a persévéré. Et si Élie a trouvé, elle écoute. Tu dois persévérer dans la prière. Et Élie revient. Il revient, il fait encore la même chose. Et c'est là l'enfant éternua cette fois et il ouvrit les yeux. Il a eu résurrection. Résurrection. Devient un titre. De ce bord-là. Ah, mais pourquoi? Si Élie n'avait pas prié, est-ce qu'il y aurait eu résurrection? Si Élie n'avait pas prié, est-ce qu'il aurait eu résurrection? Donc, nous devons prier. Nous devons prier avec la prière. Des choses que l'homme voit déjà que c'est impossible. Par la prière. Par la prière à l'Éternel, l'Éternel rend cela possible. Il ne s'agit pas de dire que moi, non, Dieu m'a déjà promis, je vais croiser les bras et obtenir l'accomplissement. Non. Il ne s'agit pas de dire ça. Nous voyons, nous allons voir quelques deux cas, deux ou trois cas pour terminer. Nous allons dans le livre de Genèse 15. Si quelqu'un d'autre peut nous ouvrir Exode 2. Quelqu'un à côté peut ouvrir Exode 2. Genèse 15, verset 13-14. Je dis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 40 ans et pendant 400 ans. Oui. Mais je jurerai la nation à laquelle
ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia, gloire à Jésus. Voilà, l'Éternel est en train d'annoncer à Abraham que sa descendance va passer 430 dans à l'esclavage en Égypte. Lui-même va exercer son jugement sur ce pays. Pharaon sera obligé de les laisser partir. Mais en son temps, quand l'heure a sonné, nous allons voir ce qui s'est passé. Ésaïe 2, verset 23. Quand les temps ont été accomplis. Ésaïe 2, verset 23, verset 5. Oui. Moi, c'est pas parlé. Éveillez à Pépi. Gloire à Jésus. Ésaïe 2, verset 23. Oui. Là, devant étant, toi, il doit attendre. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël, gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude. Et les deux ils montaient jusqu'à Dieu. Oui. Dieu entendit leur gémissement. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a fallu que le peuple d'Israël en captivité crie, pousse des cris à l'Éternel. L'Éternel avait déjà dit à Abraham qu'en ce temps, qui va les libérer. Mais nous avons vu l'élément qui a déclenché. L'action de Dieu. Qui est le cri, l'élément, c'est les prières adressées, et sa volonté vers l'Éternel. Gloire à Jésus. Est-ce que nous lisons dans la même Bible? Est-ce que, bien aimé, tu as vu ça aussi dans ta Bible? Est-ce que tu as vu qu'il a fallu qu'il crie d'abord? Et la Bible dit que Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et tu vas dire que tu ne vas pas prier. Nous allons prendre encore un autre cas. Voilà le cas que je veux te dire tout à l'heure sur Élie. Un roi 18, verset 1er. Vas-tu prier, bien-aimé, en tant qu'ambassadeur? Ambassadeur de Dieu, pour exercer ta fonction d'ambassadeur. Verset 1er. Oui, allons-y vite, s'il vous plaît. On va dire verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année. Va. Présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Qu'il va faire tomber la pluie. C'est ça, non? Nous avons tous entendu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde celui qui est à côté de toi. Aide-le s'il est en train de dormir. Qu'est-ce que l'Éternel a dit au prophète Élie? L'Éternel lui a dit. Tu te présentes tout simplement devant le roi Akab. Et moi, l'Éternel, je vais faire tomber de la pluie sur la façon du sol.
N'est-ce pas? Bien aimé, si c'était toi, tu vas faire quoi? Dans l'automne, au Réunion Canao. Si c'était toi, tu vas faire quoi? Le Réunion Canao. Tu vas te présenter devant le roi, n'est-ce pas? Parce que tu as dit, tu vas te présenter devant le roi, je vais me présenter. Elle avait mal parlé. Je vais me dire, roi, voilà. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Mon Dieu a dit. Et il y a un Il va avoir la pluie et qui va faire tomber la pluie. Ne t'en fais pas, tu vas avoir la pluie maintenant. Mais parfois, et quand tu vas dire ça, peut-être tu vas demander un siège pour t'asseoir. Et pour attendre la pluie, n'est-ce pas? Tu vas dire à Akab, non, quand ça va commencer à mettre du temps, tu vas dire, mais Akab, non, je connais Dieu. Quand il dit le faire, n'est-ce pas une promesse? Dieu a fait la promesse, Dieu a dit, vas-y, il va faire tomber la pluie sur la face du sol. C'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Dieu a fait la promesse, Dieu a fait la promesse, oui. Tu vas voir maintenant. Non, Dieu m'a promis cela, ça va arriver. Dieu m'a promis, oui. Dans cette année-ci, que je vais avoir une promotion. Il m'a dit ça, ce que je demande, l'enfant que je demande à Dieu là. Dieu m'a promis quand j'étais au culte. Et j'ai entendu la voix. Et je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit, je vais te donner l'enfant. Dieu m'a promis. Je suis déjà tranquille, je suis à l'aise. Dieu m'a promis. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Élie a fait? Le verset 41. Qu'est-ce que Élie a fait? Donc, verset 41. Oui. Et Élie dit à Akab. Monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger. Et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et il se penchant contre terre. Il mit son visage sur ses genoux. Et dit à son serviteur. Quand on a dit que Élie a mis son visage à ses genoux, je crois que Élie a fait ça pour vraiment pour danser un peu en attendant que la pluie vienne. Et si on veut Élie à toi et ta puisque Dieu l'avait promis, de la même manière, toi tu danses quand tu lis la promesse de la Bible, tu danses. Mais mais j'ai cru que Élie a voulu danser un peu là. Regardons de plus près ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Élie a fait? Et dit à son serviteur. Monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda. Et dit. Il n'y a rien. Élie dit sept fois. Retourne. À la septième fois, il dit. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elle avait avec ton bassin. Élie dit. Monte et dit à Akab. Attelle et descend. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Quand Élie a fini de dire ça au roi, Élie a exercé la foi. Lui-même ne voyait encore rien. C'est maintenant il a commencé par prier. Donc Élie n'est pas allé s'asseoir. Élie a prié. Jacques 5, verset 16. Ici, il a dit que Élie a mis son visage entre ses genoux tout simplement. Mais Jacques 5, 16 nous a expliqué ce qui s'est passé.
Jacob ta ton et ta ton. Jacques 5 verset 16. Jacob ta et ta ton bibi adia et de nane fiabi. Gloire à Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jacques 5 verset 16. Jacques 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Oui. Et priez les uns pour les autres. Oui. Afin que vous soyez guéris. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 17. Élie était un homme de la même nature que toi. Élie était un homme de la même nature que toi, bien-aimé. Élie a demandé pour toi. Je ne dis pas que Élie était prophète. Mais pas que Élie a grandi la bénie. Dis à celui qui est à côté de toi, Élie était de la même nature que toi. Voilà, mais les sorciers ne peuvent Élie a demandé pour toi. Mon frère, ma soeur, Élie était comme toi. Après, il y a mon tournoi, il y a un homme. Élie a demandé pour toi. Oui. Il pria. Avec instance. Avec instance. Et tout pour mon vivier. Pour qu'il ne plus point. Maintenant, et il ne tomba point de plus sur la terre. Et il ne tomba point de plus sur la terre. Et pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois. Et puis ton quoi femme. Oui. Puis il pria de nouveau. Et il pria de nouveau. Et il y avait 3 degrés. Et le ciel donna de la pluie. Donc quand Élie avait mis sa tête entre ses genoux, Élie était en train de prier. Élie était en train de prier. C'est pas qu'il réfléchissait ou bien il faisait autre chose. Mais ta mère est le beau. Élie était en train de prier. Élie il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Bien que Dieu a dit à Élie, je vais faire tomber la pluie sur le sol, sur la face du sol. Élie n'a pas allé s'asseoir et a dit non, c'est le Dieu qui a dit ça. La pluie va venir maintenant. Élie n'a pas dit ça. Élie a mais Élie a prié d'abord. A pourquoi? Parce que la parole doit venir de la terre. La parole doit venir. La demande doit venir. La parole doit venir de la terre. C'est ça le mystère de la prière. C'est ça le mystère de la prière. C'est un principe et Dieu lui-même n'a pas fait exception. Nous allons voir ça tout à l'heure. Dieu lui-même n'a pas fait exception. Lui-même, il a observé le principe. Avant que quelque chose ne soit concrétisé sur la terre, il faut que la parole sorte depuis la terre. Et que ça va aux cieux. C'est pourquoi le Seigneur dit, je cherche un homme qui va rester à la brèche. Le Seigneur lui-même dit, je cherche quelqu'un qui va prier. Amen. Je cherche quelqu'un qui va demander, je vais le faire. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Demandez. Je veux te faire ceci, mon fils, ma fille, je veux te faire ceci. Demande. Parce que le mystère est que la parole doit quitter la terre, doit sortir de la terre et traverser les cieux avant que l'accomplissement ne vienne. C'est pourquoi Dieu exige que nous devons prier. Si tu crois les bras, et tu dis que c'est promesse, tu vas rester là pendant longtemps. Si Élie avait dit que c'est Dieu qui a promis la pluie, la pluie ne va jamais venir y tomber. Bien que Dieu l'a promis, c'est pour ça que bien aimé, tu attends des promesses depuis des années. Et que c'est Dieu lui-même qui te l'a dit directement. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore l'accomplissement. Parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas envoyé la parole. Mais tu as. De la même manière, lui-même, il a envoyé la parole dans Genèse 1er. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il faut que tu envoies la parole. Et il faut d'abord que le Saint-Esprit soit là. De la même manière où l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et la parole est sortie et il a eu concrétisation. C'est de cette même manière qu'il faut le Saint-Esprit d'abord avec toi et la parole va sortir.
Et cette parole, c'est la parole de Dieu selon la volonté de Dieu. Et quand ça sort comme ça, là, l'exaucement vient comme il a dit dans le mécanisme de l'exaucement. Mais il faut que la parole sorte d'abord. C'est pourquoi Dieu va te dire, parfois il va te réveiller. La nuit, il va te dire, prie. Et il va commencer par te donner la requête. Il y a telle chose qui se passe en ce moment. Prie. Pourquoi il a vu? Pourquoi il n'a pas agi? Parce qu'il veut ta parole d'abord. C'est la parole qui va sortir. Et il va le faire. Gloire à Jésus. Jean 14, verset 16. Alléluia. Amen. Nous allons aller vite. Nous sommes déjà à la fin. Jean 14, verset 16. Vous allez ouvrir aussi Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Je lis la parole. Amen. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, je prierai le Père. C'est ça qui a rendu confus. Qui a embrouillé totalement ceux qui ne sont pas prêts à connaître la vérité. Ou quand ils apprennent que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu suprême, c'est fini. À part lui, à point de Dieu. Quand ils apprennent cela, ils disent, mais vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Et ils vont te faire sortir un verset comme ça. Ils vont dire, on a dit que Jésus-Christ est Dieu. Il a dit que il va prier le Père d'abord. Et le Père va envoyer le Consolateur. Qu'est-ce que tu me racontes? Ou bien toi tu ne lis pas avec moi. Il a dit, je vais prier le Père. Nous avons vu plusieurs fois Jésus-Christ prier. Comment Dieu lui-même va encore prier? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas comprendre. Bien-aimé, si jusque-là tu n'as pas compris, tu vas comprendre ce soir. Jésus-Christ a dit, je vais prier le Père. Et il va envoyer le Consolateur. Hébreux 5, verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Hébreux 5, verset 7. Vous allez voir que c'est le même principe de la prière. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est le Seigneur Jésus dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était sur la terre, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes des prières et des supplications. Le Fils de Dieu, a prié avec des grands cris, des larmes. Combien de fois tu as prié avec des larmes? Voilà Dieu qui a pris chair et qui est Fils de Dieu. Et qui a prié avec grands cris. Il a présenté avec de grands cris et avec des larmes. Des prières et des supplications. À qui? Oui. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. C'est bon. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a dit, la Bible a dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. C'est un langage biblique. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. On parle de l'esprit de Dieu. On parle du Saint-Esprit tout simplement. On parle dans la dimension, au niveau des cieux, de l'éternité. On parle du Père. Et nous avons vu.
tout à l'heure que les cieux, depuis les cieux, que les ossements viennent. Avant qu'il y ait concrétisation de quel quoi que ce soit sur la terre, il faut qu'il y ait exaucement depuis les cieux. Et avant qu'il y ait exaucement, il faut que la parole sorte dans cette dimension terrestre où nous sommes. La parole doit sortir et l'exaucement doit venir des cieux, c'est-à-dire depuis l'éternité. C'est pour ça que le Fils de Dieu est à ta main vient. Et suivant le mécanisme, il faut qu'il prie. Il a été prophétisé depuis des milliers d'années. Déjà depuis Genèse, Genèse 3, verset 15. Cela a été annoncé que le Fils de le Sauveur va venir. Et cela a traversé les âges. Les prophètes ont annoncé. Et le peuple d'Israël savait que le Sauveur, le Messie va venir. Et qu'il va les sauver. Maintenant, voici le Messie qui est venu. Et il a fallu que le Messie prie encore. Et il y avait le Messie. Bien aimé. Et toi, tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas prier. Madogra. Tu ne vas pas prier. Madogra. Bien aimé, toi qui nous suis là-bas. Tu ne vas pas prier. Jésus-Christ a prié le Père. Il a prié l'éternité. Quand il dit je viens prier, je prie, je viens prier le Père. Ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors là-bas, assis là-bas et lui là ici qui va le prier. Il faut que la prière suive son mécanisme. Ça aille d'abord aux cieux là-bas. Il faut que les enfants descendent des cieux. Pour qu'il ait du soutien. Le Fils de Dieu a besoin du soutien. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Luc 22, quand il a prié, Luc 22, verset 44. Luc 22, verset 44. Jésus-Christ a prié le Père. Jésus-Christ a prié. Quand vous lisez dans la Bible, dans les quatre évangiles, vous lisez. Jésus-Christ est monté sur la montagne, il a prié. Et que vous savez que Jésus est Dieu. Pourquoi effectivement, pourquoi il prie? Bien aimé, tu te poses la question. Jusqu'à ce soir, tu n'as pas la réponse. Jusqu'à ce soir, tu n'as pas la réponse. Voici la réponse. Il prie. Parce que les ossements doivent venir des cieux. Ce qu'il demande. C'est comme une administration. Tu peux comprendre ça comme ça. Et la demande doit être formulée et aller dans l'administration d'abord. Bien que lui-même est ici, dans sa chair, dans le corps humain, il faut que ça monte, la demande monte. Au niveau de l'administration. Et l'administration suprême va approuver. Afin qu'il ait exaucement. Bena, hola, oui. Luc 22, verset 44. Luc 22, verset 44. Étant en agonie. Il priait plus instamment. Il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oui, continue. Après avoir prié, il se leva. Et vint vers les disciples. Qu'il trouva endormi de tristesse. Gloire à Jésus. Amen. Il a prié et la sueur est tombée comme des grumeaux de sang. Est-ce que tu as besoin de prier comme ça pour quelque chose que lui-même a annoncé depuis des milliers d'années? Non, ça doit couler simplement, n'est-ce pas? Ça doit couler. Ça doit passer comme une lettre à la poste, comme on le dit. Est-ce qu'on a besoin de prier? Est-ce qu'on a besoin de prier sur ça? Voilà. S'il avait dit aux disciples, voilà, nous allons organiser une séance de prière. Il avait dit à Pierre, il avait dit à quelqu'un comme Thomas. Et il a dit, bon, voilà, nous allons organiser une séance de prière.
pour que la prophétie soit accomplie. Ils vont lui dire quoi? On va prier pour que la prophétie soit accomplie. Pourquoi? Mais tu as déjà dit depuis. On va encore prier pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même. Et toi, tu as le look ici. Il a pris l'initiative et il a prié lui-même. Parce qu'il sait, étant donné qu'il est Dieu, il sait que sans la prière, ça ne peut parler. Sans la prière, ça ne peut pas marcher. La mission ne peut pas réussir. Bien qu'il soit Dieu. Et il faut que la prière suive le mécanisme. Il faut qu'il prie les cieux de l'éternité. Il faut qu'il prie le Père pour que les ossements descendent. Quand tu lis la Bible, tu vois le Père, voit tout simplement l'éternité. Voit tout simplement une position. Ne vois pas, quelqu'un à part. Quand Jésus-Christ dit le Père, il parle de la position. La position éternelle. De qui dépend toute chose. Selon Psaume 67, verset 9 que nous avons vu. Donc nous devons prier. Bien-aimé, est-ce que tu vas rester sans prier? Si Dieu lui-même a prié pour que son projet soit concrétisé. Mais toi, tu as ton projet, tu ne pries pas. Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, dans la dimension terrestre, il était obligé de prier. Bien-aimé, tu dois prier. Nous devons prier. Je prie que le Seigneur éveille ton esprit à la prière. Qu'à partir de ce programme spécial, que la prière soit désormais ta conduite de tous les jours. Que la prière soit ton mode de vie. Afin que les choses qui étaient déjà bloquées dans ta vie depuis longtemps, que ces choses soient débloquées. Jésus-Christ a prié afin que le projet du salut soit effectif. Mais il arrivera un temps quand tout sera accompli. Nous, en tant qu'ambassadeurs que nous sommes, nous n'aurons plus besoin de prier. C'est-à-dire, ça va revenir comme dans le jardin d'Éden. Quand Jérusalem, nous serons dans le temps de Jérusalem, le Jérusalem va descendre. Où nous aurons tout à notre niveau. Et c'est nous à notre disposition où Dieu, il n'y aura plus de distance entre nous et Dieu. Il n'y aura plus de distance d'écart entre nous et Dieu. Apocalypse 22, verset 3, c'est pour terminer. Quand où il n'y aura plus de distance, Dieu sera avec nous. Apocalypse 22, Apocalypse 22, verset 3, où Dieu, nous serons ensemble avec Dieu. Est-ce qu'il aura besoin de prier? Est-ce qu'il aura besoin de prier? Nous, il n'aura pas besoin de prier. Mais en attendant, bien aimé, dans cet intervalle de temps, nous devons prier. Apocalypse 22, verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et le verront sa face. Ses serviteurs que nous sommes, nous le servirons et nous verrons sa face. Et souvent là, il est mignon. Mais souvent, il n'y a pas même commun. Et son nom sera sur leur face. Et son nom sera sur leur front. Oui, 5. Et bien quoi là, non?
Wabengum. Et il n'y aura plus de nuit. Et il n'y aura plus de nuit. Et Zamato O. Et ils n'auront besoin ni de lampe. Ils n'auront besoin ni de lampe. Ni de lumière. Ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle. Ils régneront au siècle des siècles. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Et ils régneront au siècle des siècles. Nous le ferons face à face. Nous n'aurons plus besoin de prier. Nous aurons tout à notre disposition. Mais en attendant, tu dois prier, bien-aimé. En attendant, un moment tu dois prier, tu dois te lever dans la prière, parce que dans la dimension terrestre il faut prier. Dans cette dimension nous sommes présentement, tu dois prier. S'il a fallu que Dieu lui-même prie pour que le projet du salut soit effectif, ce n'est pas toi et moi qui n'allons pas prier. Tu dois prier, bien aimé. Tu vas te lever sur tes pieds et tu vas dire: Seigneur Jésus, Seigneur, éveille à moi l'esprit de la prière. 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 Éveille à moi l'esprit de la prière. Éternel, je veux prier. Éternel, je veux prier. Éternel, tu as prié. Pourquoi moi je ne veux pas prier? Éternel, toi tu as prié. Pourquoi moi je ne veux pas prier? Éternel, je veux prier. Éternel, éveille l'esprit de prière en moi. Seigneur, réveille-moi pour la prière. Seigneur, malgré que tu sois le plus tout-puissant, quand tu viens sur la terre, tu as prié. Oh Seigneur Jésus, je veux aussi prier. Désormais, je veux prier. Saint-Esprit agit dans ma vie pendant ce programme. Je veux être un nouveau dans la prière. Seigneur Jésus, je veux prier. Éternel, je veux prier. Appelle-toi Jésus. Éternel, j'ai compris maintenant ce que c'est que la prière. J'ai compris le mystère dans la prière. Seigneur, je veux prier désormais.
Saint-Esprit, soutiens-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, notre Dieu, je bénis ton nom. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ta parole, Seigneur Jésus, qu'à travers cette parole, Seigneur, que ta vie soit transformée pour la prière. Que tu fasses de cette église une maison de prière, comme tu l'as dit. Que cette église soit une maison de prière. Seigneur Jésus, merci pour ça. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.